Salut à tous les clients, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est assez particulière pour la simple raison que vous allez me voir aborder une femme qui attend son mec et malgré ça, elle me donne son numéro. Le pire, c'est que son mec de loin, il nous a vu en réalité. J'ai énormément d'interactions qui sont en train d'être montées. Mais aussi, quelque chose que vous avez un tout petit peu arrêté de faire, c'est de tapoter, partager. Ah, je dis tapoter parce que tout le temps, je suis chez TikTok. C'est de liker, partager et commenter. Ça fait en sorte que les vidéos sont tout simplement référencées. Ça me donne l'envie, ça me donne la motivation nécessaire, d'accord, de continuer à publier. Donc, je vous faisais comprendre qu'il y a beaucoup d'interactions qui sont à venir. Il y a beaucoup de concepts qui arrivent, qui ne sont pas juste des interactions en caméra cachée. Et aussi, vous avez la possibilité de me retrouver sur TikTok parce que je suis beaucoup plus présent sur cette plateforme, la TikTok. Je fais des lives très fréquemment. Le lien se trouve dans ma description. Mais sincèrement, vous êtes, on va dire quoi, mes premiers remparts. Donc, je compte réellement sur vous pour me motiver, pour me donner la force nécessaire et rester connecté. Restez connecté. Je vous prépare énormément de choses. Certes, je ne suis pas là ces derniers temps, mais je pense toujours à vous, les gars. Donc, sur ce, bon journal. Excuse-moi, avant que tu ne rentres, oui. J'ai couru après toi et c'est la raison pour laquelle je transfère. Je te trouve jolie. C'est gentil, merci. Et je pense qu'il va fermer dans pas longtemps, donc il va falloir que tu rentres. Tu t'appelles comment? Célia. Enchantée, Célia. Tu es italienne? D'origine, oui. Voilà, le nom, les yeux bleus, le style, le fait d'être très souriante. Ok. Vous fermez dans combien de temps, monsieur? On ferme. Ok, Célia, je vais te laisser rentrer. J'aurais vraiment aimé te revoir, je te jure. Mais sans qu'entre toi et moi, ça pourrait passer. Oui, mais non. Je respecte cela. Passe une bonne soirée. Merci. Toi aussi. Okay. Tu es mignonne. Merci. Tu dégages le potentiel. Madame, merci. S'il te plaît, je veux pas que tu te... Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ok, merci. Sinon, je m'en voudrais toute ma vie. Ok. Là, tu rentres chez toi. Oui. Là, t'inquiète, tu as trouvé le prince charmant. Ne cherche un peu. Non, c'est parce que je suis de bonne humeur. Du coup, je raconte des conneries. Mais tu m'as plu. C'est gentil. Il fallait que je vienne te dire. Ok, bah c'est vraiment. Tu t'appelles comment? Mais si tu n'es pas pressé là tout de suite, on va prendre une glace. On va prendre une glace. On remonte là. Elle a osé. Sur de quelle origine? J'aime bien le sens de l'humour, pas mal. C'est vrai? Ouais. C'est rare, bien. On peut descendre? Non, là, si on descend, il y a la gare après. Quelle gare? Là, c'est la gare, non? Mais non, c'est juste le quai. Ah, vas-y, on descend. Tu me malmènes déjà, c'est pas gentil ça. Ah oui, hein. Ah, je préfère conduire. Ah, tu préfères conduire. Hein. Tu n'es pas du genre à t'asseoir sur la chaise, sur le siège passager. Ok. Ça dépend de mon humeur. Mais est-ce que tu conduis bien alors? Ah, je sais pas. J'aime me sentir en sécurité. Donc là, tu rentres chez toi. C'est ça. Vas-y, change ton programme. On se prend un verre là tout de suite. Je viens juste de prendre un verre là. Non, t'inquiète. Mon verre, il est spécial. Mais demain, je travaille. Demain, tu travailles? Ça va, il y a le temps. Tu habites où? Par là. Ah merde, la tête que tu as fait quand je suis venu te parler, Seigneur. Ah ouais? Fallait voir. J'étais surpris. Ok. Ouais, c'est vrai, un très beau mec qui vient me parler. Oh mon Dieu, ça faisait longtemps. Non mais c'est bon, tu rêves pas, je te pince. Tu rêves pas. Ouais. Ok. Et tu bosses en quoi? Je suis assistant commercial. Dans le marketing, dans la vente. Ouais. J'accompagne les hommes à avoir confiance en eux. Ok. Ouais. À développer leur charisme, à avoir confiance. Tu dirais que je suis charismatique ou pas? Ah, mais c'est pas. Ouais. C'est même pas une question à poser. Mais je te l'aurais posé au premier rendez-vous vacances. Ouais. Okay. On dirait que tu as juste envie de te coucher. Ouais, t'as juste exactement. Envie de prendre ta douche. Je vois déjà mes yeux là, ils sont... Ok. Avec ces yeux-là, en espérant que tu ne notes pas très mal mon numéro, prends mon numéro. Oui, c'est le tien? Non. Ok. Prends mon numéro. Il me fait passer à l'action. Je trouve. Et moi, je ne suis pas dans la survente. Je suis dans la vente. Je suis un marketeur, moi aussi, parce que je vends des produits sur Internet. Tu comprends? Okay. Je suis un marketeur. Donc, je te donne un teasing. Ça s'appelle du teasing. Ouais. Un avant-goût. L'avant-goût, c'est cette capacité déjà à te faire rire. Okay. C'est cette capacité à te faire projeter dans le temps. Okay. Cette capacité à avoir quelqu'un qui te regarde dans les yeux quand il parle. Voilà. Okay. Et le reste, on verra avec le temps. Bon. Puisque c'est ainsi. En plus, en face de toi, tu es un homme galant. Donc, ce soir, avant de dormir, tu m'envoies un petit message pour me dire ma soirée s'est très bien passée. J'ai aimé la petite discussion avec toi, tu vois.
Ça serait pas mal, ça. C'est un ordre? Non, c'est pas un ordre. C'est une proposition. Maintenant, c'est le moment où je te regarde dans les yeux. Je te demande à quelle heure tu le feras. Je sais pas. Ok. Ok. Si on était à la télé, je t'aurais tourné comme ça. C'est je meurs d'envie de le faire. Viens, viens. Je pense que tu es capable. Non. Tu es capable ou pas? Je suis capable, mais j'en ai absolument pas envie. Ah, d'accord. Mais tu es une femme spontanée quand même, je le sens. C'est vrai? J'ai l'impression, peut-être. Ok. En tout cas, hâte de te revoir, d'accord? Merci. Excuse-moi. Vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble? Pourquoi? Parce que j'ai envie de te parler. Et parce que? Ni encore, ni encore. J'ai fait toute cette distance-là pour venir te parler. Parce que mais c'est ça, vrai. Ça, c'est bien, tu parles bien, mais ça ne peut pas me toucher. Pourquoi ça ne peut pas te toucher? Parce que... Avec ton accent camerounais là, ça c'est bien, mais ça ne peut pas me toucher. Même si je sais que tu n'es pas camerounais. Tu es de quelle origine? Attends, le but c'est. Le but c'est que tu me parles. Vu que tu veux qu'on parle français, tu me plais. Il y a mon gars qui a pris la main. C'est pas. Ok, prends mon numéro là. Non. Dis-moi ton numéro. Si je retiens. Tant mieux, si je retiens pas. 06. Ok, on verra non, tu bien. Pas en plus. Je te crois pas, pourquoi? On verra bien. Non, c'est pas. Salut. Bonjour. Je t'ai appelé Zara parce que je te vois avec un sac Zara. Ah, d'accord. Et j'ai eu envie de te dire tout simplement que tu as un style magnifique. Merci. Sans forcer. Merci, c'est et tu es déjà impatient de me laisser. Non, parce que je dois aller à Emma avant que ça ferme. Tu as un article précis à acheter où tu te dis que tu vas tomber sur quelque chose qui va te plaire. Non, je dois acheter des choses pour ma fille, pour la rentrée. Maintenant que je discute avec toi, je dirais que tu es dans la trentaine, peut-être 33 ans. Oui. Mais avant cela, je t'aurais donné facilement 25. Oui, je sais ce qu'on me donne, mais non, je suis une vieille. Ok, c'est bien alors de vieillir comme ça. Je pense que tout homme voudrait ce type de femme dans sa vie. Ah, d'accord. Il aura la sensation de ne pas vieillir et d'avoir toujours une femme très, très jeune. Jolie. Exactement. Mais je pense toujours que la jeunesse, c'est pas la jeunesse. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'en amour, c'est la complicité qui compte. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu partages le même point de vue que moi, c'est déjà ça. Après, j'ai quand même adopté une habitude que je n'avais pas l'habitude. Une fois que je rentre dans le métro, écouteur et je suis sur mon téléphone. Oui, bah oui. Ça, j'étais pas comme ça avant. Mais vas-y. Faire la tête, si quelqu'un me sourit par exemple, je souris. Oui, bah oui, après oui, t'en as qui se disent non, tu n'es pas sourire. Exactement, comme tu l'as dit, mais tu es bizarre toi. Tu vois. Bien sûr que tu t'es pas trompé. Ah, c'est lui. Ok. Déjà, une seconde. Je ne vais pas rentrer, je vais te laisser faire d'accord. Des courses. Et en plus, je sais que faire des courses avec une femme, voilà, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc, écoute, je vais prendre ton contact et on aura le temps de continuer la conversation. Oui. Bah après ça dépend c'est pourquoi aussi. On verra, l'avenir nous dira. Et tu es de quelle origine? Je suis ivoirienne ghanéenne. Je n'aurais pas dit. Oui, on aurait dit sénégalaise, mais je ne suis pas sénégalaise. Ok, Inès. Voilà. Vas-y, bonne course. Merci. Vas-y.